Il y a un deuxième projet en cours de réalisation, le projet RAG, qui signifie Réseau de l'administration gabonaise, qui est également mis en place par l'ANEF, l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences. Ce deuxième projet qui consiste donc à connecter une centaine de bâtiments entre eux par la construction d'une nouvelle infrastructure numérique. Une nouvelle route qui représente 43 km de câbles installés à Libreville et là, Kozas, je parle sous le contrôle du chef de projet RAG. Monsieur Simon, c'est bien cela? C'est bien cela. C'est les autoroutes de l'information, Gladys. C'est le RAG, le réseau de l'administration gabonaise. C'est la fibre optique, 5 lignes de 43 km, qui va permettre d'interconnecter l'ensemble des bâtiments administratifs entre eux.